science. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré aux façons d'utiliser un fossile les plus... What the fuck? Les fossiles sont des restes d'organismes ou d'activités d'organismes, voilà oui, qui ont été préservés dans la roche. Ils sont très utilisés par les scientifiques pour dater les terrains qui les contiennent. Dire qu'une couche qui contient le fossile est équivalente à telle autre qui contient le même fossile. Pour reconstruire l'évolution des espèces ou bien pour trouver du pétrole et du charbon qui sont eux-mêmes faits de fossiles. Mais ça, ce sont les utilisations normales que les paléontologues font des fossiles. Le monde, lui, n'a pas attendu que la paléontologie soit inventée pour trouver des fossiles. La paléontologie est une invention assez récente, et même encore aujourd'hui, la pratique de son noble art requiert bien des années d'études et du savoir-faire avant d'être capable de pouvoir expertiser un fossile comme étant digne de figurer dans un musée ou tout juste bon à décorer l'étagère chez mémé. Vous êtes littéralement entouré de fossiles. Votre quotidien est baigné par les fossiles. Des murs de vos maisons aux parvis des églises, des dalles des rues piétonnes aux vitrines des magasins. Vous n'imaginez même pas à quel point les fossiles sont tout autour de vous. Ils sont partout. Soyez attentifs et vous les verrez. Cette omniprésence fait que les gens, même s'ils ne sont pas paléontologues et même quand ils ne sont absolument pas intéressés par les fossiles et n'en cherchent pas, en trouvent quand même. Ils peuvent parfois ne pas s'en rendre compte ou bien ils peuvent en faire des trucs. Des trucs qu'ils trouvent amusants, des trucs qu'ils trouvent jolis ou des trucs qu'ils trouvent utiles. Dans cette vidéo, nous n'allons donc pas faire une liste bête et méchante des usages incongrus des fossiles, ça prendrait beaucoup trop de temps. Toutes les roches sédimentaires, ou presque, contiennent des fossiles, et toutes ces roches, ou presque, sont utilisées d'une façon ou d'une autre en maçonnerie pour faire des murs ou du béton. L'idée de cette vidéo est de vous montrer des fossiles dont l'utilisation what the fuck n'a d'égal que leur importance même du point de vue scientifique. Des fossiles que des gens ont possédés pendant des années sans même réaliser à quel point ils pouvaient changer notre vision du monde. Un changement complet de perspective réduit à un simple bibelot, voire même moins que ça. Et c'est parti pour les 5 utilisations les plus what the fuck de fossiles qui se sont avérées révolutionner la science. En 1924, le chasseur de fossiles Barnum Brown est au sommet de sa gloire. 20 ans plus tôt, il découvrait Tyrannosaurus rex, le plus grand dinosaure carnivore connu à cette époque et certainement celui qui reste encore aujourd'hui le plus célèbre. Barnum et son bébé, si je puis dire, font la couverture des livres, des journaux et remplissent les salles de conférences et de cinéma. Barnum Brown et son T-Rex sont des stars. Et voilà qu'en 1924, Barnum Brown entreprend un voyage en Grèce pour fouiller les ruines d'une école de médecine de la Grèce antique. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle école de médecine, il s'agit de celle de Kos, là où le plus fameux encore Hippocrate a étudié. Hippocrate, tu veux dire ? Oui, cet Hippocrate-là, l'Hippocrate du serment d'Hippocrate que les médecins récitent encore aujourd'hui. Waouh, trop bien ! Et alors, qu'est-ce qu'il a trouvé Barnum Brown dans l'école de médecine d'Hippocrate ? Accroche-toi bien, il a découvert... un fossile. Ouais, bah il fouille, il trouve un fossile, je vois pas bien en quoi ça change de d'habitude. Mais non, tu ne comprends pas, il a découvert la dent d'un éléphant fossile de l'espèce Paléoloxodon anticus, une espèce qui était déjà éteinte depuis plusieurs milliers d'années avant même que la civilisation antique grecque n'apparaisse. Ce fossile était déjà un fossile du temps des Grecs. Ah j'ai compris, c'est un fossile que des Grecs ont découvert et qu'ils ont intentionnellement placé à l'école de médecine. Oui, et ce des centaines d'années avant l'invention de la paléontologie. Alors, les Grecs étaient déjà des paléontologues ? Faut croire qu'ils l'étaient un peu, ouais. Mais alors, ça veut dire que cette dent fossile a tenu dans la main d'un des plus grands chasseurs de dinosaures il y a presque 100 ans de cela, et qu'avant elle avait probablement été tenue par l'un des plus grands pères fondateurs de la médecine moderne il y a près de 2000 ans. Et des millions d'années avant cela, elle a appartenu à l'un des plus grands mammifères terrestres qui existaient sur Terre, oui. Wow, mais si ça se trouve, c'est Hippocrate lui-même qui l'a découverte cette dent. Sans aller jusque-là, il est très probable que cette dent ait néanmoins servi à son éducation. Cool! Un fossile d'une espèce éteinte qui est passé dans les mains de deux figures historiques séparées elles-mêmes par 2000 ans. C'est l'histoire qui rejoint la préhistoire. Vous connaissez probablement ce fossile car nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Il s'agit d'un cerveau de baleine du Miocène parfaitement préservé. Ce fossile est une petite révolution à lui tout seul dans le monde de la paléontologie. En effet, les paléontologues s'étaient depuis très longtemps déjà fait une raison, jamais ils n'étudieraient le cerveau d'une espèce éteinte, car le cerveau est un organe fait de tissu mou trop délicat pour résister au processus de décomposition avant que n'arrive la fossilisation. Exception faite de cerveau d'un seul et unique mammouth congelé, il est bon quand même de le préciser.
Ouais, mais bon, s'il est congelé, c'est pas exactement un fossile, quoi. C'est une espèce éteinte quand même, non? Bon. Par conséquent, les paléontologues s'étaient réduits à étudier la boîte crânienne, faisant des moulages de la cavité du cerveau en espérant que cette dernière reflétait plus ou moins l'anatomie du cerveau qu'elle contenait autrefois. Mais il faut bien dire ce qui est, si c'est les circonvolutions du cerveau que vous voulez voir, vous risquez d'être déçu. Mais ce fossile-là n'est pas un moulage de boîte crânienne, c'est un magnifique cerveau parfaitement préservé avec toutes ses circonvolutions. Il montre qu'un organe aussi délicat que le cerveau peut se préserver en 3D. Et là j'insiste, il ne s'agit pas de la préservation de tissus mous tout écrasés comme on la voit sur les dinosaures de Chine ou les reptiles marins allemands. Non, là il s'agit de 3D, une belle préservation en volume qui a résisté aux outrages des millions d'années et à une utilisation répétée en tant que cale pour une porte. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah bah si si, c'est bien ce que tu as entendu, hein. Ce magnifique fossile, unique au monde, a servi pendant plusieurs décennies de cale-porte. Et comment c'est possible ça ? Ah bah la personne qui l'a découvert n'était pas une spécialiste, alors pour elle, bah c'était tout au plus un joli caillou, voire un bout de corail. Mais elle n'imaginait pas ce que c'était en réalité. Parlons maintenant du célèbre cas du Gigantopithèque, un proche parent de l'orang-outan et certainement le plus grand singe qui ait jamais vécu. Oui, le Gigantopithèque démontre la grande diversité passée des grands singes, cette famille dont nous faisons partie aujourd'hui et qui comptait pas moins d'une centaine d'espèces autrefois, mais qui maintenant se meurt car elle n'est plus réduite qu'à 6 espèces, nous y compris. La toute première dent de Gigantopithecus fut découverte dans les contreforts chinois de l'Himalaya, mais pas par des paléontologues, non, par un apothicaire. Un apothicaire quoi ? Un apothicaire, un pharmacien quoi. Un pharmacien ? Tu veux dire que c'est un pharmacien qui se promenait là le dimanche, et puis bah il a trouvé ça par hasard quoi. Non, je veux dire que Gigantopithecus provenait de son coin à fossiles, parce qu'en Chine, les fossiles sont réduits en poudre, versés dans le thé et utilisés comme remède traditionnel. Quoi ? Des fossiles comme remède ? Oui oui, les Chinois les appellent dents et os de dragon. Gigantopithecus n'est pas le seul d'ailleurs, l'homme de Pékin ou encore Keichusaurus ont été découverts dans des gisements d'une incroyable richesse qui sont exploités depuis des générations et des générations afin de fabriquer des remèdes traditionnels. Des boîtes estampillées dents et os de dragon, ils en produisent des centaines de tonnes chaque année. Mais c'est fou ça, et vu ce que ça retire à la science, j'espère au moins que ça marche. Non, pas vraiment. En tout cas, pas au-delà de l'effet placebo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la mésaventure de Gigantopithecus a démontré l'extrême richesse du registre fossile chinois et la grande connaissance que les populations locales ont de ces gisements, car ça fait longtemps qu'ils les exploitent. Ah oui, pas étonnant qu'aujourd'hui ils inondent la littérature scientifique de nouveaux dinosaures à plumes, de reptiles marins et de fossiles cambriens. Ils ont en fait une véritable longueur d'avance. N'oublions pas quand même que l'utilisation des fossiles comme remède n'est pas uniquement limitée à la Chine. Jusqu'à récemment, en Europe étaient utilisés pour leurs vertus curatives l'ambre, les bélémites, les oursins et les dents de requins ou encore d'ours des cavernes. Tu dis « étaient », mais moi j'ai encore vu il y a pas longtemps des fossiles utilisés en lithothérapie. Oui, à vous qui nous écoutez, s'il vous plaît, sauvez un fossile, soignez-vous plutôt à base de plantes. On entre dans le top 3. Attendez-vous à de l'inattendu. Quitte à dire ça, autant rien dire, hein. Mésosaurus était un petit reptile aquatique qui vivait au Permien il y a 280 millions d'années. Les fossiles de Mésosaurus sont certainement parmi les plus importants qui aient été retrouvés dans l'histoire de la paléontologie, car ils sont à la fois représentés dans le registre fossile d'Afrique et d'Amérique du Sud. La présence de Mésosaurus sur ces deux continents, aujourd'hui bien distincts, suggère donc qu'autrefois ils ne formaient qu'un, le Gondwana. Il fut donc utilisé comme argument fort soutenant la théorie de la dérive des continents. Le tout premier fossile de Mésosaurus fut découvert au 19e siècle en Afrique du Sud. Il s'agit d'un magnifique petit squelette tout articulé et parfaitement préservé, une merveille qui est aujourd'hui jalousement gardée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Au vu de son importance, cette découverte aurait dû être accueillie comme un triomphe. La personne qui l'a trouvée a dû être couverte de gloire, sa renommée doit aujourd'hui être sans fin. Non. Non. Non ? Comment ça, non ? Ben non, juste non. Ce fossile a été découvert par un bushman qui s'en servait comme couvercle pour une casserole. Une casserole ? Ah bah oui, effectivement, c'est pas glorieux. Non, c'est sûr. Évidemment, puisque c'était à l'époque de la colonisation, il est inutile de préciser que le crédit de la découverte ne lui a pas été attribué. Ah bah ouais, dis donc, le nom du découvreur n'est même pas mentionné dans la description originale du fossile. Et non, il n'y a pas de place dans l'histoire pour les vaincus.
Restons en Afrique du Sud avec la découverte de l'enfant de Tang, le premier Australopithecus jamais découvert et le premier fossile au monde à avoir démontré que l'origine de l'homme était en Afrique. Vous croyez certainement que Lucy avait été le premier Australopithèque découvert, mais Lucy c'était dans les années 70. Bien avant cela, en 1924 avait été découvert l'enfant de Tang, Australopithecus africanus. Avant 1924, les scientifiques connaissaient Homo erectus de Chine et l'homme de Néandertal en Europe. Il semblait donc impensable que l'origine de l'homme soit en Afrique. C'était pourtant l'avis de Charles Darwin et aussi celui de Raymond Dart, le paléoanthropologue sud-africain qui découvrit le spécimen. Mais ce n'est pas Dart qui découvrit ce fossile, mais les mineurs qui travaillaient à extraire la calcite de la grotte où il fut trouvé. La mine de la ville de Tang produisait plusieurs tonnes de calcite en faisant sauter à la dynamite les concrétions, stalactites et stalagmites, présentes dans cette ancienne grotte. Les fossiles pris dans la calcite étaient le plus souvent détruits avec elle. Qui sait combien ont ainsi été perdus à jamais? Mais de temps à autre, un spécimen suffisamment complet était ramené au directeur de la mine qui les conservait comme des curiosités. C'est ainsi que l'enfant de Tang, cet incroyable petit crâne sur lequel l'empreinte de la boîte crânienne est préservée, finit sur le bureau du directeur de la mine en tant que presse-papier. Un presse-papier dont il n'avait pas idée de l'inestimable valeur avant la visite de Raymond Dart. Cette visite allait à tout jamais changer l'histoire des origines de l'humanité en enracinant pour la première fois l'origine de l'homme profondément sur le continent africain. Racine où elle se trouve toujours, malgré ce que la presse à sensation mal renseignée essaie d'en dire. C'est enfin le top 1, le grand final, la dernière frontière! Mais quelle est donc l'utilisation de fossiles la plus what the fuck qui ait jamais été faite? Jusqu'à présent, il était admis que les fossiles dont nous avons parlé ont tous été découverts dans des temps relativement récents par Homo sapiens, seule espèce humaine qui existe encore. Mais maintenant, si je vous disais que Homo sapiens n'est pas la première espèce humaine à avoir découvert des fossiles? Tu veux parler d'une espèce humaine éteinte qui, à son époque, a découvert des fossiles qui étaient déjà des fossiles d'espèces éteintes depuis longtemps? C'est exactement ça. Oh, j'ai hâte. Et attention, voici pour vos yeux ébahis un fossile qui a été découvert par nos cousins, les hommes de Néandertal au Paléolithique, il y a 200 000 ans, et qui a été modelé en outlib biface. Tada! Il s'agit d'un galet de silex contenant un fossile de coquillage datant du Crétacé de presque 100 millions d'années. Il a été collecté par un homme de Néandertal qui vivait en Angleterre il y a 200 000 ans et qui a taillé tout autour du fossile un outil biface d'une façon telle que le fossile n'a pas été abîmé. Cela démontre l'habileté de Néandertal et illustre surtout que cet homme préhistorique, qu'on représente souvent sous la forme d'une brute inculte, était en fait un être raffiné. Néandertal avait un vrai sens de l'esthétique. Mieux encore, on a retrouvé ce biface, vieux de 400 000 ans cette fois, et donc fabriqué par un ancêtre de Néandertal, un pré-néandertalien. Il contient un oursin en silex daté, lui aussi, du Crétacé, et qui fut délibérément ramassé et taillé de façon à créer un outil à la fois utile et esthétique. Des exemples comme cela sont légion, et peuvent être tracés jusqu'à près de 800 000 ans, et peut-être même plus. Certains fossiles sont parfois retrouvés dans des sites paléolithiques à des milliers de kilomètres de leur gisement d'origine, témoignant ainsi d'une véritable recherche de ces vestiges des temps qui, déjà pour les hommes préhistoriques, étaient anciens. Ils collectionnaient et pratiquaient des échanges, peut-être même du commerce de fossiles. Cette recherche active d'objets de curiosité et cette volonté de sculpter l'objet afin d'en préserver la partie contenant le fossile attestent d'une vraie recherche de la beauté. Néandertal se compliquait drôlement la vie pour tailler de telles pierres et cela nous montre qu'il avait le sens de l'art. Ainsi, ces fossiles nous montrent que le sens du beau n'est pas que le propre de l'homme moderne, et surtout que la paléontologie n'est pas une invention si récente que ça, finalement. Évidemment, ceci était une liste non exhaustive, alors si vous connaissez des utilisations folles de fossiles, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et à nous envoyer des photos si vous en avez. À très bientôt.